Cette semaine, les joueurs du Racing Club de Strasbourg-Alsace ont posé leurs valises à Niederbronn-les-Bains, un cadre très différent du stade de la Méno. Les joueurs ne sont pas là pour chômer, mais bien pour s'entraîner et préparer la saison 2014-2015 en national. Marc, Stan, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, on a fait la descente du col et sur les cailloux, bah... on a crevé. Les deux vélos ont crevé, du coup, on s'est tapé une heure de descente. À deux sur un vélo. Toc, toc. Ouais, c'est là. Frédéric Marquez. Ernest, tu peux sortir. Ernest, c'est le nouveau capitaine. C'est quand? Voilà. Un peu balèze. C'était de trouver d'avoir un bon groupe et de se connaître un peu plus parce qu'il y a quand même des nouveaux parmi nous et maintenant voilà on s'entend tous bien, on a bien profité cette semaine pour bien travailler et bien se connaître. Bah voilà, ça, on va dire, ça a soudé le groupe et voilà, maintenant il nous reste un match samedi et j'espère qu'on sera d'attaque pour la semaine prochaine pour le premier match de championnat à Colomiers. On apprend à se connaître et puis surtout je trouve que cette année ça commence par une très bonne ambiance depuis la reprise. Il y a beaucoup de chambreurs, donc voilà, on est dans une bonne ambiance, les matchs amicaux se passent plutôt bien. Il y a encore je pense un ou deux joueurs qui vont arriver, qu'il faudra intégrer aussi, mais je pense que le groupe est sain et il y a de la qualité pour faire quelque chose de bien cette année. Une ambiance dont Stéphane Bahoken a déjà pu profiter. C'est l'un des nouveaux joueurs du RCSA. Arrivé la semaine dernière, il s'est intégré au groupe. Strasbourg est une manière pour lui d'atteindre les ambitions qu'il s'était fixées. L'intégration est facile, ils sont tous très accueillants. Ils ont tous très envie d'intégrer vite les recrues pour avoir vraiment une bonne ambiance dans le groupe. Ça se ressent dans la vie de groupe comme sur le terrain. À titre personnel, de marquer le plus de buts possible. D'être entre les 10 et les 20, après à titre collectif, d'être le plus décisif pour l'équipe, pour qu'on engrange beaucoup de points et qu'on se retrouve au moins dans les 6 premiers. Parce que, comme je l'ai dit, Strasbourg, c'est pas un club qui fait pour la nationale. Cette semaine, les joueurs ont évolué dans une ambiance et un cadre digne des plus grands, mais pour le staff et la direction, cette équipe reste encore à peaufiner. Je pense que l'équipe n'est pas tout à fait prête dans la mesure où l'effectif n'est pas au complet pour moi. Je pense que maintenant que Stéphane Bahoken a signé, je pense qu'il faut encore un attaquant. On se concentre aujourd'hui sur le recrutement, sur le travail. Ça, c'est plutôt le travail, bien sûr, du staff, préparer l'équipe le mieux possible. Mais évidemment que les 3-4 dernières semaines vont être capitales parce qu'il nous faut encore, je dirais, au moins deux joueurs de très grande qualité, à des postes bien identifiés. Et après, je crois que Jackie aura un effectif plus équilibré pour commencer une saison en espérant commencer correctement pour la confiance, évidemment.